Le bonheur est sans cesse renouvelé de vous retrouver chaque matin. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. On ouvre encore la parenthèse pour évoquer des sujets les uns aussi intéressants et croustillants que les autres. Si vous portez de rondeurs artificielles ou si vous rêvez de rondeurs artificielles, ôtez déjà cette idée de votre tête parce que ce n'est pas une très bonne idée. Et si vous le portez déjà ou si vous les portez déjà, sachez que vous courez un énorme risque. En tout cas, Madame Santé viendra nous le dire tout à l'heure. C'est juste le temps de retrouver notre astrologue visionnaire qui nous embarque dans un monde où divination et humour font bon ménage. Le signe du jour, cobaye. L'astrologie, selon Pipi Obaho, c'est une production de l'ORTB. La belle créature. Et ça va? Ça va très bien. Enchanté. Oui, merci. Votre nom? Eh bon, je suis du mois de mai. Mai? Oui. Tu es de mai. Oui. Cobaye? Ah, vous êtes cobaye? Ah. À qui dit bon? Ah. À qui dit bon? Oui. Ah bon? Ah, ça c'est bon signe. Ça, vous êtes déjà marié? Non. Non? Non, merci que... Oui. Non. Mais j'ai quelqu'un. Vous avez quelqu'un? Oui. Ou bien des quelqu'un. Vous n'avez pas quelqu'un, vous avez des quelqu'un parce que les signes cobayes, si c'est une femme, les hommes courent derrière eux. Hein? Si c'est un homme, c'est les vrai. Femmes courent derrière ça, eux. C'est vrai. Parce qu'elles sont toujours belles, rondelles, grosses, hein? Jolies. Souvent, la guide des bambous. Vous êtes la femme du tonnerre. La femme du tonnerre. C'est pourquoi, là où vous êtes maintenant, vous avez l'ennemi tonnerre. Parce que vous êtes la femme de Réveso, que je viens de dire maintenant. Les six cobayes, à qui dit bon, je vais vous expliquer ça. C'est long, mais je vais rétrécir ça. Tonnerre, Sagbata, Dan, divinité, Torosu, ce sont des frères, même père, même mère. Eux, le Réveso, et les grands frères. Les trois sont chers. Les grands frères là-bas, Réveso. Tu es d'accord? La cinquième, c'est la femme qui est le Agidigbaou, la femme de Réveso. Tu sais? À ce temps-là, vous connaissez bien que M. Serpent, dans Adjoto Enidan. À ce con, hein? Adjoto Enidan. Et vous avez fini de dire, quand flan, Léa soumet aussi nos vidéos, quand tu mets ton dénoir, mon doigt, quand c'est fier, n'a pas les bébés pas. Sinon, tu seras vendu. Ils vont te vendre. C'est interdit. Hunde, Réveso Kodo, et Sekwata Kodo, Dakodo. Il est au fond et tant qu'on fait la garde dans yo. Et va dire que le pot, on fait son robe à l'oïe. Et dire que le pot est pour moi. Oh, t'as dit ça, il s'en va, mon taille. Il vient, il visite nous. Arrivé là-bas, ce d'un a. Parfois, je vois il y a une femme qui est très jolie là-bas. Je ne sais pas si c'est une femme détruite. Dadi, c'est la femme de mon grand frère, Hervioso. Il dit ah. Donne-moi ça, vende-moi ça, je vais te payer cash comme ça. Quand d'antan cela, ils ont fait le complot. Arrivé à la maison, il dit à la femme de son grand frère, viens, on va prendre ses filles là. Hein? Viens, on va faire 100 pas. Il a pris la femme. Et ça, de l'autre. Ah, il y a un autre fille, il y a un autre. Quoi il y a dangereux de bon roi, sans sous rondé. A qui dit bon, nos frères Kabou, c'est des gars, ils ont menacé, ils ont dit, et moi, je vais se faire, et moi, je vais se faire. Hein? Qui a pris ma femme? Où se trouve ma femme? Sagbata, tu es là, dans Torosu. Vous étiez là avant que je sortais. Où est ma femme? Mais les bois, on te fait bon, alors que c'est Serpent qui a fait ça. Donc, je vais vous dire que 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 je vais vous dire
J'ai cherché et j'ai trouvé. Je ne suis pas comme les autres. Hein. Ils ont commencé par moi. Le truc a commencé par moi. Et ça termine par moi. Mais le Khodom, le Khodom. Celui qui transforme le malheur en bonheur. C'est moi. Effectivement, c'est moi. Donc, je parlais. Et il y a un biolo. Tant que je suis et j'ai tombé. Mais quand on tombe les biolos, il y a un biolo. Bon, le dit. Bon, souffrant. Ceux dont j'ai puni vont devenir rois sur terre jamais. Il a commencé par il n'a pas de chambre. Et pas le corps, n'est le corps, et pas le corps. Et zoom, et les zoom. On a bien tout le dit. Ils sont en wakon, et on a bien les bisous. Et là, ils ont mis ma souris, et ils sont en wakon. Et là, c'est pas ça, donc on a fait. Et de où est le quadro, c'est pas ça, donc il y a des gars dans son moi. Et si on s'en fait, donc tout le corps, non, bon, nous même, on a bon, oui, à bon, on a bien là. Et là, ils ont dit, j'ai dit, si on a mis. Maman, si on a mis là, j'étais là. J'étais là. C'est de notre temps. C'est pas ta allo. Et nous chimons et l'eau. On caca j'ai gbé. Have ce bois sauf que. Le vitre est bien. Et depuis, on s'en souvient. Le bétillon, mais les ma fille, mais quand on danse, t'as qu'à j'en remets donc. C'est pas ta va d'assini. T'as reçu le don, mais on t'a aussi. T'as qu'à ma fille. C'est pas ta va d'assini. On est bois à Johoto. Et qu'à Johoto, tcho. Qu'on est bon. Have ce homme, hein. Donc c'est là, et bien sûr, avec nous, à soi, qui dit, on dit, quand on à mon, je n'ai pas trop dit. Et bien sûr, là que tu es, on a nous glossé, nous. Tu es d'accord? On a nous glossé, nous. On a dit, quand on dit, quand on dit, oui, vous voyez, on a un alors, oui, vous tu vas éviter de marcher sous soleil. Parce que Kobay n'aime pas marcher sous soleil. Il n'aime pas, il reste souvent sous lit, et sous et guéridon, il ne sort jamais. Donc là que tu es maintenant, en cobaye, que tu es, les garçons vont courir derrière toi. Mais parfois, à Galetto Genoui, tu vas aimer beaucoup de garçons. C'est vrai. Même moi qui suis. Allô? Aïe, on m'a c'est comme ça. C'est des coureurs de chiffon. Les six cobayes, hommes cobayes, sont des coureurs de chiffon. Et les femmes cobayes sont des coureurs de pantalon. Et c'est comme ça. Et c'est un bon signe. Asia. Donc je ne change pas, je reste. Non, il faut rester comme ça, tu es. Mais il ne faut pas sortir dans les pluies. Dans le soleil, il faut rester là où tu es. D'accord. Merci. Le signe Kobay est donc aujourd'hui à l'honneur avec notre astrologue visionnaire Pipi Wabaro Simplice Béanzin à l'état civil. Mylène Fanou, bonjour, bienvenue sur le plateau de la parenthèse. Bonjour Raymond, bonjour aux amis téléspectateurs. Vous êtes notre guide santé sur ce plateau et c'est déjà la première rubrique de cette émission. Votre rubrique, Mylène, s'intéresse aujourd'hui aux rondeurs à tout prix. Oui, on parle des rondeurs artificielles. Vous savez que les femmes, pour faire pâlir d'envie les hommes, sont prêtes à tout pour avoir des rondeurs. Donc, elles n'hésitent pas à avoir recours à la chirurgie. Mais hélas, trop cher pour les candidates de cette métamorphose physique, à cette métamorphose physique. Mais aujourd'hui, de nouvelles solutions sont disponibles à portée de prix. Il s'agit des injections, des pilules, des baumes et autres petites astuces. Mais toutes ces méthodes sont-elles sans conséquences? Est-ce que quand on utilise ce genre de pilules, ce genre de baumes sur le corps, est-ce que ça n'a pas un retour? On en parle aujourd'hui avec le dermatologue Franck Yedomont qui répond à nos questions. Bonjour, monsieur Franck. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je le disais tantôt, il y a une panoplie d'astuces pour se créer des rondeurs, mais il y a un prix à payer.
Avant d'aller dans les détails, docteur, quelles sont ces pratiques ou astuces les plus courantes? Je dirais, merci encore, je dirais que par rapport aux astuces, d'abord il faut dire que dans la représentation de la culture négro-africaine, la femme est courbe, la femme est harmonie et courbe, ça il faut le dire. En général, il y a trois types de choses. En général, il y a les artifices, les faux, les culottes rembourrées, les gaines, les astuces pour en général se donner en général l'illusion ou tromper son anatomie, mais tromper son anatomie en faisant croire que bon, on a une bonne courbe. À l'époque, on disait que avant, on disait que nos grand-mères, avant d'aller en soirée, elles faisaient plusieurs pagnes. Aujourd'hui, c'est différent. Donc, en général, il y a ces astuces-là. La deuxième astuce aujourd'hui, c'est celle qui rentre en général en flagrant délit dans un domaine de santé. C'est celle qui consiste à utiliser en général des crèmes, des pilules, donc pour pouvoir se donner donc des formes au niveau soit des seins, soit du bassin, c'est-à-dire des fesses. Et la troisième en général, celle qui donne des résultats les plus probables en totale harmonie avec la science, c'est la chirurgie esthétique. Des trois, quand je prends la chirurgie esthétique, elle donne des résultats qui sont des résultats, si elles sont faites par un spécialiste, donne des résultats corrects. Corrects si elles sont faites par un bon spécialiste de chirurgie esthétique. Vous allez me dire, ah, mais au Bénin, est-ce qu'il y en a qui en font? Absolument, il faut repérer d'abord le bon spécialiste et savoir connaître les personnes qui a déjà opéré, connaître son cursus. Et moi, j'en ai déjà vu ici au Bénin qui ont recours à la chirurgie esthétique et qui se sont sentis mieux dans leur bien-être. Maintenant, revenons. Est-ce que ce n'est pas trop cher? Voilà. Le souci, c'est qu'en général, avant, les patientes partaient sur de l'Occident ou dans le Maghreb. Se faire opérer, bon, en général, ça tourne autour de 10 000 euros. Je ne vais pas revenir dessus, c'est des chiffres. Mais aujourd'hui, en Afrique, même au Bénin, on a recours à la chirurgie esthétique. Mais on a plus, je dirais qu'on a tendance, on utilise plus, ou elles utilisent plus les pilules, les baumes. Non, la chirurgie esthétique, ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, pour l'instant. Donc aujourd'hui, ce qui se fait, c'est qu'on est en général dans un marché où les frontières sont poreuses et tout ce qui se passe à côté se répercute chez nous, surtout en Afrique subsaharienne. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des produits donc, qui sont vendus à la sauvette ou bien dans certaines boutiques qui, semble-t-il, entre guillemets, pourraient donner des formes. Donc, ce n'est pas précis, ce n'est pas scientifiquement prouvé. Comment est-ce que ces produits agissent sur le corps? Voilà, en général, si vous voyez bien ces pommades, ces crèmes, on met Bobaraba, etc., etc., vous verrez qu'il n'y a pas de notice précise. En général, c'est de l'huile de foie de morue, du miel ou du beurre de karité associé à des corticoïdes ou bien à des hormones de croissance. Et encore, il y a un dernier, que le bouillon de cuisine, qui est utilisé soit en injection. Le bouillon de cuisine, oui. Le bouillon de cuisine, le bouillon, le cube magie. Vraiment? Oui, qui est utilisé dans certaines conditions, soi-disant, pour augmenter donc, la générosité des formes chez la cliente. Mais en général, il n'y a pas étant donné qu'on ne connaît même pas réellement le produit, ce sont des spéculations qui sont faites. On ne peut pas donner le mode d'action donc de ces produits. Ce qui est sûr, c'est que ces produits ont des conséquences au niveau de la santé. D'abord, on peut donner des hypertensions artérielles, donc des grossesses et des diabètes, pas des grossesses, de l'hypertension artérielle, le diabète. Des infections et la morbidité est toujours élevée parce qu'il y a des patientes même qui peuvent avoir donc des embolies pulmonaires avec des comas qui peuvent passer parce que c'est fait souvent en injection ou soit donc allant en intromission au niveau en suppos
ou bien appliquer et badigeonner, masser au niveau donc des fesses. Et quelles sont directement les conséquences sur la peau? Les conséquences sur la peau, c'est d'abord, première conséquence, c'est l'irritabilité de la peau, également les eczémas, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Les eczémas, c'est des inflammations de la peau. Et ensuite, vous avez la dilatation en général, donc alors, des tissus cutanés qui peut se faire. Le problème, c'est qu'en général, quand on observe des patients ou des clientes qui ont eu recours à ce type de pilules ou à ce type de crème sur le badigeonne sur le corps, c'est qu'en général, la plupart souffrent de la conséquence de l'asymétrie. Vous voyez, il n'y a pas d'harmonie. Vous voyez, je ne sais pas, une courbe qui descend et qui vient se cabrer au niveau du bassin. Donc, en général, l'esthétique, en général, c'est beauté, forme, harmonie. Et harmonie, je pense qu'en Afrique, nous n'avons pas à nous plaindre déjà de ce qui est naturel. Bon, après, il y a la troisième couche, celle des patientes qui vont utiliser. En général, c'est la plus nombreuse au Bénin. Hein. On va rajouter un peu de gaine, ou bien pour réduire, ou bien porter des faux seins qui sont achetés, des culottes avec du bourrage. C'est ce qui est là. Les Béninoises ont assez peur en général d'aller sur des choses qu'elles ne connaissent pas. C'est une bonne chose et j'espère que ça va continuer. Et est-ce que ça, c'est sans risque? Porter une culotte avec du bourrage? Oui. Je suppose que bon, ça, c'est comme si... il n'y a pas de risque a priori. À moins qu'il y ait au niveau du bourrage des tissus ou bien des choses qui ne soient pas a priori bon pour la peau. Il y a un risque pour les portefeuilles. Pour les portefeuilles des hommes. Oui, bien sûr. C'est eux qui regardent le plus souvent. Mais en général, en fait, tout ça, c'est lié en général à une certaine compétition. En général, la femme, en général, se dit, bon, si je fais ça, mon mari va mieux me regarder. Si je fais ça, je ne peux pas aller avec un tour de poitrine de ce type. Mais je ne suis pas assez ronde. Et puis, donc, il y a de complexe en complexe. On vient à des solutions qui sont un peu, au lieu de s'assumer. J'ai eu à discuter avec un monsieur, qui m'a dit qu'il arrivait à les reconnaître. Parce qu'il dit qu'au niveau des fessiers, le tout ne bouge ensemble. Et quand c'est naturel, ça bouge normalement. Oui, il doit avoir aussi des cours de poétique, de démarche. De toute façon, l'expertise à ce niveau-là, elle est plus flagrante au toucher qu'à la vue. Oui, le reste, on ne résulte que de la spéculation. À moins qu'il y ait un scanner dans les yeux. Un conseil aux femmes? En général, je vais dire aux femmes qui ont des problèmes au niveau de l'acceptation de soi, du physique. Donc, le mieux, c'est de rester naturel. Maintenant, si on a envie d'aller plus loin, il vaut mieux avoir des solutions qui soient pérennes, qui soient rentables et qui soient correctes. Merci. Et là, il faut consulter son médecin. Merci. Restons naturels. Restons naturels, c'est le conseil qu'on va donner donc à ces femmes-là qui ont des envies de rondeur artificielle. Et pour celles-là qui en portent déjà, on va leur dire quoi? On va leur dire de consulter leur médecin. De toutes les façons, il n'y a pas que le problème de rondeur à ce niveau-là. Il y a également des femmes aussi qui sont en augmentation. Donc, elles veulent une diminution. Donc, tout ça, c'est de l'harmonie et de la beauté. Voilà. Merci donc à vous, docteur. Merci également à vous, Mylène. Maintenant que les rondeurs artificielles ou naturelles sont généralement exposées pour le regard, généralement, n'est-ce pas, et le lieu par excellence pour admirer ces regards ou admirer ces rondeurs, c'est la piscine ou la plage, lorsqu'elles sont justement en bikini, n'est-ce pas, docteur? Ben, ça, c'est vous qui dites. Hein. Alors, on ira à la découverte du bikini, le bikini dans le temps et dans l'espace. C'est avec Ariane Da Silva dans la rubrique découverte. Aujourd'hui, votre rubrique découverte s'intéresse au bikini, bien évidemment. Le bikini qui, donc, c'est quoi le bikini? De quoi cela retourne? Comment cela a évolué dans le temps et dans l'espace? Ariane Da Silva, bonjour, bienvenue. Bonjour Herman, bonjour aux amis téléspectateurs. Alors, vous avez déjà planté le décor, l'histoire du bikini. Alors, plus de 110 ans et pas une ride pour le bikini. Vous imaginez, Herman? Absolument, vraiment.
Oui, vraiment, vraiment. Mais pas une ride. Non, pas une ride. En 1946, le premier bikini a été présenté à Paris. Il a choqué le monde entier, allant même jusqu'à se voir interdit en France et sur d'autres plages méditerranéennes en 1949. Et c'est au Français Louis Réad, ingénieur automobile, que l'on doit l'invention du bikini. Celui-ci observe les femmes sur la plage retrousser leur maillot de bain pour optimiser leur bronzage. Ainsi, lui vient l'idée de créer le plus petit maillot de bain du monde. Un soutien-gorge, une culotte composée de deux triangles de tissu reliés par une corde. Plié, il tient dans une boîte d'allumettes. Alors, dites-nous, Ariane, l'histoire nous renseigne quand même que Réa n'a rien inventé et que nos ancêtres semblaient bien moins chichiteux sur la morale et sur la nudité des corps. Alors, les archéologues ont découvert des représentations de bikinis remontant au néolithique. Ces représentations montraient des femmes vertues d'une culotte mini et d'un fin bandeau sur les seins sous le règne de Dioclétien. On les considérait comme l'une des plus anciennes représentations d'un bikini, mais on sait aussi que son origine est encore plus lointaine. Et ce n'est pas tout. Des vêtements ressemblant fortement à des bikinis ont été découverts sur le site turc d'une ville néolithique fondée vers 7000 avant Jésus-Christ. Et c'est dans la Grèce antique, autour de l'an 1400 avant Jésus-Christ. C'est alors des vêtements mini de deux pièces qui ornent le corps des femmes sportives. Alors Ariane, les variantes du bikini sont nombreuses aujourd'hui, à la fois en termes de matériaux et de formes. Alors, nous avons par exemple le string bikini. Nous avons ensuite le monokini, le microkini, le tankini. Vous avez jamais entendu parler de tout ça, vous? Vraiment pas du tout. Du trikini et du skirtini, j'y arrive. Le burkini, chez les musulmans, le burkini. Voilà. Alors, quels sont les matériaux qui entraient en ligne de compte pour la fabrication du bikini? Alors, l'utilisation du coton rendait la fabrication du maillot facile à ses débuts. Après 1960, il devient plus pratique de s'appuyer sur des matériaux élastiques. Certains autres matériaux, comme le velours ou le cuir, font leur apparition au début des années 1970. Selon l'utilisation du bikini, la matière de base peut changer en mode. On se contente de vérifier que rien ne bouge quand on ramasse une serviette au sol ou quand on lève les bras. En bodybuilding, l'utilisation de métaux est interdite et les deux pièces du bikini doivent être tenues ensemble par une ficelle. En plus du coton, on a eu le nylon pour concevoir les bikinis. Dans les années 60, le nylon gagne en popularité et permet de moins couvrir le corps. À Rio de Janeiro et Saint-Tropez, par exemple, les strings en nylon deviennent la norme. En 1960 toujours, les bikinis changent complètement de nature avec la démocratisation de l'élastane. Les maillots de bain peuvent être portés sans couture ou doublure lourde et se prêtent au style athlétique avec des tissus et formes plus adaptés à la pratique sportive. Le bikini ne tombe plus et reste en place. L'élastane permet aux stylistes de créer le bikini string et le monokini. Enfin, de nombreux bikinis ont été créés à partir de métaux et pierres précieuses. En 1977, on a eu droit à la création d'un bikini en platine. En février 2006, un bikini avec 150 carats de diamants qui valent au total 20 millions de livres sterling a été créé. En 2009, un bling-kini recouvert de 5000 cristaux et non résistant à l'eau a été conçu. Au fil du temps, le bikini a beaucoup évolué, Herman. Aujourd'hui, il existe même des bikinis pour hommes. Vous vous imaginez? Des bikinis pour hommes? Pour hommes. En tout cas, une chose j'aimerais est sûre. J'aimerais bien vous voir en bikini, moi. Pas du tout, j'ai même pas envie d'essayer. Eh bien, vous savez tout, Herman. Ariane Da Silva, vous voudriez me voir en bikini? Oui, j'aimerais bien vous voir en bikini. Ça laisse transparaître, des élans vraiment incontrôlés. Alors, merci donc à vous, Ariane Da Silva. C'est moi qui vous remercie. Donc, on a su voir le bikini dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, même le bikini a été démocratisé. Ce n'est plus une tenue, on va dire, tropicale. C'est devenu une tenue mondiale parce qu'un peu partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Europe, le bikini se porte un peu partout. Merci donc à vous, Rebecca. Pardon, Ariane Da Silva. Mais vous aimez tellement Rebecca, je ne comprends pas. Ah, moi-même, je ne comprends plus rien. Parce que justement, c'est Rebecca qui vous succède sur ce plateau. On parle de beauté, beauté et de bien-être. Thank you.
Beauté, mode et bien-être s'intéresse aujourd'hui au port de Lantilly. Oui, le port de Lantilly, c'est avec Rebecca Kenyon. On dit bonjour. Bonjour, Eman. Rebecca de Jésus. Oui. Tout se passe bien? Ça va, et chez vous? Très bien, merci. D'accord. Voilà, on est en forme, on est encore là pour sévir les téléspectateurs. Et donc, avec vous, on va parler du port de Lantilly. C'est une pratique féminine, on va dire comme ça. Non, les hommes aussi le font. Les hommes aussi, oui, bien sûr. En tout cas, vous allez tout nous dire sur cette pratique. D'accord. Bonjour, Eman, à nouveau. Amis téléspectateurs et téléspectatrices de la parenthèse, bonjour. Aujourd'hui, on parle beauté, mais aussi du bien-être. Elles ont des atouts esthétiques et sont pratiques. Elles peuvent redonner de l'éclat à votre regard tout en subtilité. Les lentilles, puisque c'est d'elles qu'il s'agit, sont la nouvelle tendance beauté. Et il en existe une grande diversité sur le marché. Cependant, elles ont aussi quelques inconvénients et leur utilisation nécessite des précautions. Quelles sont ces précautions? Dans quel contexte doit-on mettre des lentilles de contact et par qui? C'est important, Eman. On a une ophtalmologue sur ce plateau pour nous éclairer sur la question. Madame Euphrongiste Chaffa, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Je vous en prie. Déjà, dites-nous en quoi les lentilles de contact diffèrent des lunettes. Merci. Les lentilles de contact sont un mode intermédiaire de correction optique. Elles sont situées entre les lunettes et la chirurgie réfractive. Alors, elles sont posées directement sur l'œil, contrairement aux lunettes qui respectent une distance œil-verre. Et ces lentilles sont souvent utilisées chez des personnes qui ont une aisance financière la plupart du temps, qui sont assez bien éduquées parce que leur utilisation requiert assez de précautions, puisque lorsque l'hygiène et l'entretien ne sont pas respectés, les sujets qui l'utilisent sont sujets à beaucoup de complications. Alors, parlant de ces lentilles, est-ce qu'il en existe de plusieurs sortes? Si oui, lesquelles? S'il y a plusieurs types de lentilles, on a les lentilles souples et les lentilles rigides. Les souples, elles sont hydrosolubles et faites de matériaux hydrogel ou silicone médical. Elles sont de première intention. Elles sont de première intention parce qu'elles sont beaucoup plus tolérables et la plupart du temps utilisées de façon quotidienne. Elles sont la plupart du temps jetables. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre les lentilles médicales et les lentilles fantaisistes? Si, il y a une différence. Il y a une différence. Tout à l'heure, je parlais des lentilles souples. En dehors des lentilles souples, il y a les lentilles rigides. Elles sont beaucoup plus durables. Elles ont une longue durée de vie et sont faites de matériaux semi-rigides. Mais elles ont aussi l'avantage de ne pas se déformer lors des clignements des paupières et donc permet d'avoir une bonne acuité visuelle. Alors, les lentilles médicales et les lentilles fantaisistes, oui, il en existe. Alors, les lentilles médicales, on va parler de lentilles médicales lorsqu'elles sont prescrites à but thérapeutique ou à but optique, puisque les lentilles sont utiles pour corriger la plupart des amyotropies, au même titre que les lunettes. Mais en plus de ça, les lentilles ont à elles toutes seules certaines indications à but thérapeutique. Par exemple, le kératocone ne peut être traité que par les lentilles. Voilà. Mais outre ça, il y a des utilisations à visée cosmétique. Voilà. Et c'est là qu'on va peut-être parler des lentilles fantaisistes qui sont souvent colorées pour éclairer le regard. Et comme le monsieur Amon le disait tout à l'heure, que c'est l'apanage des femmes, oui, c'est possible, on peut le dire, puisque une étude réalisée en France a montré que 67% des porteurs de lentilles sont des femmes. Voilà. Voilà. Vous avez l'information. Je suis sûre que vous allez voir tout à l'heure, dans ce cocktail d'images qu'on a préparé, un homme qui a mis des lentilles. Ensuite, on revient juste après. Thank you.
Il en existe donc de plusieurs formes, des formes multiples et variées de lentilles, surtout de lentilles fantaisistes. Docteur, quels sont les risques qu'on court en mettant des lentilles fantaisistes à la recherche d'une éventuelle beauté? D'accord. En général, les lentilles exposent à plusieurs types de complications. Ces complications peuvent être infectieuses ou non. Parmi les complications non infectieuses, on peut citer les complications mécaniques qui sont liées à une irritation de l'œil. Peut-être lors de la pose de la lentille, il peut y avoir une particule qui peut avoir glissé là-dessous. Voilà. On peut avoir des réactions allergiques à la lentille ou aux solutions d'entretien. Voilà. Et puis, en dehors de ça, il peut y avoir également l'inconfort. Et pour ce qui est des complications infectieuses, c'est vrai, elles sont rares, mais elles existent quand même. Et pour les porteurs de lentilles fantaisistes, on a constaté que c'est en leur sein qu'il y a plus de complications infectieuses. Parce que la plupart du temps, ils les utilisent sans avis médical. Et puis, ils s'approvisionnent de façon, selon un circuit douteux. Et ils n'ont pas forcément tous les conseils qu'il faut pour pouvoir manipuler ces lentilles. Et donc, un mauvais entretien peut conduire à des complications. Voilà. D'accord. Alors, une dernière question avant de vous laisser partir, hein, docteur Chaffa. Vous, en tant qu'ophtalmologue, prescririez-vous des lentilles de contact à vos patients en lieu et place des lunettes? Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les indications sont diversifiées. Il y a certains patients chez qui on est obligé de prescrire des lentilles de contact à visée thérapeutique. J'ai parlé du cas du kératocone. Alors, en dehors de ça, pour des raisons optiques, oui, on peut être amené à prescrire des lentilles de contact. Il est vrai que sous nos yeux, cette prescription, elle est un peu rare, mais elle existe quand même. Et puis, voilà, si un patient est désireux, on lui fait la prescription. Voilà. D'accord, donc on retient que les lentilles de contact, c'est bien, mais il faut qu'elles soient prescrites par un spécialiste. Okay, voilà. Puis s'il y a un bilan de préadaptation, des conseils qui suivent, c'est pas banal. Voilà. D'accord. Merci à vous, Euphragiste Chaffa. Je rappelle que vous êtes ophtalmologue. Merci. Merci également à toi, Rebecca. Docteur, avant de vous laisser partir, je vais vous poser une question. Est-ce que vous aimez le football? Oui, j'aime bien. Bien le football? Il y a un geste empli de finesse qu'on appelle le football, la panenka. Vous connaissez? Oh non, jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Alors, vous allez rester avec nous et je suis Bruno Swali qui nous explicite le terme panenka. C'est dans les six sports. Lexique Sport, c'est avec Bruno Swali. C'est justement pour nous expliciter cette terminologie-là qu'on utilise au sport sans pour autant en connaître les fondements, bien évidemment. Bruno Swali, bonjour, bienvenue. Bonjour, Eman, et je salue tous les sportifs qui sont déjà sans doute réveillés ce matin. Un geste empli de finesse, c'est bien sûr la panenka. Oui, la panenka, c'est de ce geste qu'on va parler. Donc, Lexique Sport, comme vous le savez, chaque matin, vous amène à mieux comprendre un terme du sport. Aujourd'hui, on parle de la panenka. Vous savez que dans les règles de jeu au football, il arrive que lorsque vous commettez une faute dans la surface de réparation, l'arbitre accorde un pénalty à l'équipe donc, dont le joueur a été victime de la faute. Et c'est un exercice très difficile dans un match pour un joueur d'aller exécuter un pénalty. Il arrive aussi qu'au bout d'un match à élimination directe où les deux équipes finissent sur un score nul, soit vierge ou avec but, arrive à se départager à la séance de tirs au but qu'on qualifie souvent nos sportifs de fatidique. Et donc chacun y va de sa manière, c'est une épreuve de nerfs, un moment assez difficile à gérer dans les émotions et dans le stress. Et donc il y a en 1976, lors de la finale de la Coupe d'Europe des Nations qu'on appelle aujourd'hui l'Euro, un joueur qui s'est distingué lors de la séance de tirs au but parce que la finale de l'Euro 76 avait opposé à Belgrade l'équipe de l'Allemagne de l'Ouest à l'équipe de la Tchécoslovaquie. Et c'est Antonin Panenka qui avait, on va dire, exécuté le dernier tir au but. Et c'est ce tir au but-là qui a révolutionné aujourd'hui la manière de tirer un pénalty ou un tir au but
parce qu'il avait sorti simplement un génie. On va regarder et on revient après. 20 juin 1976, on joue à Belgrade la finale de l'Euro. Tchécoslovaquie et République fédérale d'Allemagne, après un match nul de 2-2, doivent se départager aux tirs au but. Antonin Panenka, dernier tireur tchécoslovaque, va offrir un moment de magie aux millions de téléspectateurs concentrés devant leur poste téléviseur et entrer dans la légende. Antonin Panenka, ailier droit et numéro 7 de la Tchécoslovaquie, va faire parler son génie. Sachant que le gardien allemand Sepp Maier va plonger d'un côté suite à un tir en force, Panenka décide de piquer son ballon en plein centre de but et révolutionner le pénalty ou les tirs au but. Grâce à ce geste spectaculaire de Antonin Panenka, la Tchécoslovaquie remporte l'Euro, mais de toute la compétition, les mémoires d'hommes ne retiennent que le tir au but du génie Panenka. Le mot Panenka tire donc son nom du patronyme d'Antonin, footballeur tchécoslovaque, inventeur de ce tir au but. Au football, la panenka est une technique particulière pour tirer un pénalty ou un tir au but. Au lieu de frapper le ballon en force, le joueur frappe sans élan une piche nette du coup de pied en visant le centre du but, généralement juste sous la barre transversale, afin de piéger le gardien adverse. C'est un geste risqué car en visant la position du gardien d'une frappe molle, le tireur doit espérer que celui-ci plonge par anticipation d'un côté ou de l'autre. Si ce n'est pas le cas, le gardien peut capter le ballon sans difficulté. Dans le football moderne, Antonin Panenka ne manque pas de disciples qui, au moment de l'exécution d'un pénalty ou d'un tir au but, s'inspirent de leur idole avec beaucoup de dextérité, comme la fameuse Panenka de Zinedine Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006 face à l'Italie pour le but du 1-0. Une Panenka spectaculaire, tant elle a été réussie avec l'aide de la transversale. Pour votre plaisir, voici quelques célèbres panenka restés dans les mémoires. Voilà donc l'une des antonomases les plus célèbres du football qui rappelle un geste plein de finesse, un geste plein de confiance parce que lorsque vous réussissez ce geste, c'est très beau. Il faut saluer donc Antonin Panenka, ce joueur qui a créé, on va dire, cette manière géniale d'exécuter un tir au but ou un penalty. Il y en a eu de célèbres ces dernières années, bien entendu, avec la panenka de Zinedine Zidane qu'on vient de revoir. Jamais on ne pourra l'oublier parce que c'était un geste assez osé en finale de Coupe du Monde en 2006. C'était à Berlin. Ce n'était pas facile de prendre une telle décision, mais Zinedine Zidane l'a fait. Il a montré le grand joueur qu'il était. Et c'était son dernier match international. Il y a eu aussi d'autres panenka célèbres, comme celle de Pirlo que nous venons de voir en Coupe d'Europe des Nations. C'est toujours bien et ça fait toujours plaisir pour nous téléspectateurs et pour nous qui aimons le football de voir ces gestes-là techniques lors d'un match de football. Absolument. Il y a eu également la panenka de Sébastien Abreu face au Ghana en voilà, quart de finale. On n'oubliera jamais le Mondial 2010 en Afrique du Sud où le Ghana a fait rêver toute l'Afrique. Malheureusement, l'aventure s'est arrêtée pour le Ghana en quart de finale face à l'Uruguay. Et la main de Luis Suarez qu'on n'oubliera jamais également. Merci, Eman. Et s'il y a aujourd'hui, oui? Pour finir, s'il y a aujourd'hui l'un des disciples les plus fidèles de Panenka, c'est Dia qui, Dia? Oui, il y a des joueurs qui aujourd'hui, chaque fois qu'ils sont devant, on va dire, le ballon, on sait que bon, ils ne sont pas trop loin de l'exécuter. Il y a Lionel Messi qui aime bien, par exemple, la Panenka, qui le fait assez souvent. Et surtout Sergio Ramos. Sergio Ramos, oui. Merci beaucoup donc à vous, Bruno Soali. On va à présent parler de dessin. Vous aimez le dessin? Ce qui est sur la dernière fois que vous avez griffonné quelque chose sur votre papier, ça n'avait l'air de rien du tout. Alors, on va parler de dessin. C'est dans Art et Art, c'est avec Nicanor Kovi. Nicanor Kovi est déjà sur ce plateau pour nous parler de dessin. Dessin, bien évidemment. Nicanor, bonjour. Bonjour, Amiga. Très bien réveillé ce matin? Très bien.
De toute façon, bien. Ça se voit dans la finesse du regard. Ah ouais, la finesse du regard carrément. Et surtout dans la poétique du sourire. Sans blague. Bon, alors aujourd'hui, on parle de dessin. On va parler plus précisément de portrait. Alors, qu'est-ce que c'est que le portrait? C'est une représentation d'une personne qui s'approche de la réalité. Il y a même une définition assez poétique de la chose dans le style de Boutadès rapporté par Pline l'Ancien. On pense que le portrait est initialement conçu pour rendre les absents présents, ainsi que le formulera Alberti. On pense aussi que le portrait serait à l'origine des arts plastiques, tout simplement. Aujourd'hui, comme on va le voir sur ces images, on voit quelques portraits célèbres. Vous voyez à l'instant Acimboldo dans ses œuvres, l'amiral. Il y a beaucoup de portraits célèbres qui sont passés à la postérité. En voyant cela, voilà, par exemple, jeune fille à l'appel de Vermeer. Il y a c'est un dessin signé Marie Cassatt. Plein de portraits célèbres qui sont passés à la postérité. Et quand vous voyez la chose, vous savez de quoi on parle. Bien évidemment, Nicanor Kouvi, aujourd'hui, on a un artiste visuel sur ce plateau. On a un artiste, Mokhtar, un artiste qui fait de très belles choses. Alors Mokhtar, comment vous allez? Je vais bien, merci. Mais dites-nous, comment êtes-vous venu au portrait, vous, au dessin? Je peux dire... Depuis tout petit, je dessinais déjà et je faisais des reproductions. J'aimais déjà reproduire certains trucs, des objets et des personnes même. Donc, je suis venu à reproduire plusieurs personnes. Et là, je me suis dit, pourquoi pas devenir portraitiste. Vous voulez en faire un métier carrément? Oui, je m'en suis fait un métier. Pas seulement que je veux m'en faire un métier. Vous êtes déjà un professionnel de la chose. Voilà, je suis un professionnel du dessin. Je fais des dessins pour des gens, la population quand même. En tout cas, il fait des trucs assez bluffants. On se rappelle, on l'a découvert un peu comme par hasard, notamment avec des portraits de personnalités béninoises célèbres diffusés à grands coups de publicité, on va dire, sur la toile, sur Internet, via les réseaux sociaux. On pense notamment à ce portrait du président de la Cour constitutionnelle exécuté au stylo bleu qui a fait en griffe le buzz. On va le voir tout à l'heure, il va nous réaliser un portrait. Ah bon? Ah oui, on va le voir tout à l'heure. On va le voir. Ah, il va nous réaliser un portrait avant de partir. On va le laisser repartir tout à l'heure. Mais avant la fin de l'émission, Que va-t-il nous proposer? Un personnage, une parenthésiste. Je ne dis rien de plus. Une parenthésiste. Le portrait, l'art du portrait, on l'a dit tout à l'heure, date de l'Antiquité. Mais il a évolué depuis les premières réalisations perses et égyptiennes. Comme on peut le voir sur ces images, comment dessiner? 6 étapes recommandent certaines voix plus autorisées. On pense notamment à la première partie qui est le tracé des repères principaux. Ce n'est pas Mokhtar qui va me démentir ici. Vous le voyez bien à l'écran. Il s'agit de prendre quelques repères sur la feuille ou sur le support. Ensuite, il faut céder des espaces vides ou négatifs pour définir et dessiner une silhouette. Vous le voyez bien, il y a un monsieur qui exécute à la perfection la chose avec une vitesse un peu plus accrue, c'est vrai, mais assez quand même pour nous permettre de suivre. Il faut également identifier les participants physiques, les particularités physiques du modèle. Ensuite, commencer par dessiner le regard, les yeux, comme on a pu le voir sur ces images, retourner régulièrement son dessin en cours de réalisation sous toutes les perspectives et enfin contraster par couches successives en fonçant progressivement. Voilà quelques techniques pour devenir un grand portraitiste. Alors Nicanor, vous avez eu des soupçons de talent de dessinateur? Si, je dessinais, je griffonnais, mais je l'ai perdu entre-temps. Heureusement que vous avez sorti le mot adéquat, vous griffonniez. Je griffonnais. Vous ne dessinez pas. Mon monsieur, je disais, je dessinais, je griffonnais. Bon, enfin. Bref, je portraiturais. mais je n'ai pas fini, je vais vous emmener à la découverte d'un Nigérian, un prodige Nigérian, Waspa. C'est son nom d'artiste, Karim Azim Oladikan. Voilà. C'est un Nigérian
bluffant par le talent, petit par la taille, mais tout simplement de l'ordre du génial. Son talent à lui s'approche de celui, et j'ose le dire, de Léonard de Vinci. On regarde, tout simplement. C'est tout simplement beau, Nicanor Kouvi. À l'instant où Aspa dans ses œuvres, il appartient au courant de l'hyper-réalisme. Il fait des choses qui s'approchent, qui font plus que s'approcher de la réalité. Vous le voyez, il a même offert au président Macron en visite au Nigeria un portrait de lui qu'il n'oubliera pas de sitôt. Et un portrait que nous n'allons pas oublier sur ce plateau, c'est celui que va réaliser notre artiste visuel, Mokhtar. Entre-temps, ses accessoires lui ont été remis sur le plateau. Il va nous faire un portrait en direct, le portrait d'un parenthésiste. D'une parenthésiste. Il a commencé l'ébauche. Peut-être que nous pourrions avoir une idée, parce qu'il a commencé, il vient de commencer à l'instant. Avant la fin de l'émission, on verra le résultat final, mais on pourrait. Je vous passe la planche, Mokhtar. Je vous passe la planche et vous montrez aux amis téléspectateurs ce que ça va donner. Alors, vous voyez, ça commence comme ça. Donc, visage sur une perspective. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, il se sert des vides pour commencer son dessin. Alors, c'est vrai que, on n'a pas encore complètement, on va dire... On ne sait pas où il va. On ne sait pas encore là où on va, mais je peux déjà commencer par deviner. Vous pourriez aussi vous gourer. Alors, Nicanor, merci. Merci à vous, merci aux parenthésistes. Voilà, donc, votre parenthèse serait ferme à vous. On va vous retrouver tout à l'heure, juste maintenant, pour le bouquet final. Parce qu'on aura le bouquet final en fin d'émission. Ce qu'il aura dessiné sera donc visualisé en direct. On va le montrer à nos chers téléspectateurs. Nicanor, merci, merci beaucoup. On va parler à présent de géographie. Géographie, c'est Bruno Swali qui va nous aider à parler de Niki. Niki, c'est dans, bien évidemment, la rubrique Repère 229. Repère 229, c'est avec Bruno Swali, il était là tout à l'heure pour nous parler de Panenka, mais cette fois-ci, il va nous parler de Gani et de tout ce qui va avec, parce qu'on se rend à Niki. Bruno Swali, rebonjour. Rebonjour, Herman. Et on va dire, ce matin, Repère 229 va vous faire voyager loin dans le nord-est du Bénin, à plus de 550 km de Cotonou, à la découverte d'une commune, d'un royaume et même d'un empire pour d'autres. Son histoire est tout aussi vaste que sa culture. Temple de la culture Batonou, chaque année, il accueille l'un des événements majeurs culturels les plus impressionnants du Bénin, de renommée internationale, à savoir la Gani. Repère 229 nous plonge ce matin dans cet univers avec comme guide
un grand homme de culture. Il est bien entendu membre du comité d'organisation de la Gani. Il est dignitaire de la cour impériale de Niki. Il est également le Yerima Somo, qui est en fait le conseil spécial du Sinamboko. Il est également professeur titulaire de géographie humaine à l'université d'Abomey Calavi. Voilà l'homme ainsi présenté. Il se dresse sur ce plateau avec son taco traditionnel, l'identité Batonou simplement. Professeur Léon Bani Biobigou, je dirais Ikunando. Anakuna. Alafia, Alafia. Voilà, donc ça c'était purement Niki. Je vais prendre des cours, je vais prendre des cours de la langue pour que vous puissiez ne plus voilà, passer inaperçu dans vos langages. Voilà, voilà, on ira tellement vite parce que le temps qui nous est imparti vraiment ne suffira pas pour parler de Niki. On va rapidement suivre cet élément et on va revenir à Man pour que le professeur nous parle de Niki. Niki est une commune du nord-est du Bénin. Elle est située dans le département du Borgo, à une vingtaine de kilomètres de la frontière du Nigeria. Cette ville compte environ 150 000 habitants. Le maire de cette ville est Umaru Lafia Bukari. La région possède une végétation de savane humide arborée. C'est une zone de transition entre le climat tropical sec et le climat humide de type sud-soudanais. Historiquement, cette ville faisait partie des royaumes Bariba du Nord-Bénin. Le royaume de Niki fut créé au XVIe siècle par Sonosero et étendit sa domination sur la région. L'empereur le plus célèbre de Niki fut Seropera. Il mourut en 1831 en combattant aux côtés des Yoruba d'Oyo lors des attaques face aux Peuls. Le royaume est désorganisé quand les armées coloniales l'envahissent à la fin du XIXe siècle. Vaste royaume, le royaume de Niki a pour cœur Ouemou, une petite localité située à 7 km de la ville de Niki. Le territoire comprend tout le Borgo, une partie de l'Atakora et une partie du Nigeria. La ville de Niki regorge de plusieurs cultures. La principale est la fête de la Gani. L'origine de la Gani remonte à plus de 7 siècles. Cette fête a été instaurée dans le but de célébrer la quiétude de sa communauté retrouvée après la poursuite par une armée djihadiste. D'où le nom Gani qui signifie « se blottit » en langue Bariba. La Gani signifie aussi la joie et symbolise la victoire. La Gani est une fête annuelle de 2 jours. Elle a lieu le 12e jour du 3e mois lunaire du calendrier Bariba. Elle est aujourd'hui une fête identitaire qui rassemble non seulement des peuples ayant une expression culturelle et linguistique, mais aussi ceux ayant un destin commun. N'oubliez pas, une fois à Niki, montez à cheval et devenez pour l'occasion un cavalier. Le riche patrimoine culturel du Bénin et celui de Niki en particulier qui sera dévoilé ici sur ce plateau, il symbolise à lui seul, c'est peut-être prétentieux de le dire, mais il symbolise à lui seul bien évidemment, on va dire, la richesse culturelle de Niki de par d'abord sa culture titanesque et de par son investissement humain dans la région de Niki ou dans le royaume de Niki, Bruno Swali. Effectivement, vous avez tout dit de l'homme. On va rentrer, on ira dans le vif du sujet. Alors, professeur, dites-nous, qu'est-ce qui existait avant Niki? On entend souvent parler de la période Wasangari, avant Wasangari. Dites-nous, Niki, comment est-ce que Niki est né? Je vous remercie. Et quand on parle de Niki, par rapport à l'histoire et sur le plan chronologique, nous faisons à part de deux grandes ères, l'ère pré-Wasangari et l'ère Wasangari. Et d'abord, le concept de Wasangari, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il faut comprendre les choses
à la base. Wasangari, c'est un concept de l'arabe classique qui veut dire un aventurier et que le bâton appelle Bosu-Bosu. Lorsque vous, par exemple, là, vous êtes là... Qui en français, on peut dire nomade. Non, voilà. Lorsque vous quittez votre lieu d'origine pour aller ailleurs, vous dites que vous allez en aventure. Donc, là, vous allez là. De ce point de vue du concept classique arabe, vous êtes considéré comme un wasangari, quelqu'un qui est un aventurier. D'accord. Et donc, voilà le concept. Qui allait pré-wasangari, voilà. On va en parler. Pré-wasangari, oui. C'était le territoire occupé par un certain nombre de peuples qui avaient aussi leur organisation traditionnelle, dont le peuple Batono. Là où se trouve aujourd'hui la cité de Niki, là, il y avait un royaume pré-wasangari. Et la cité, c'était Dema. Et le roi portait le titre de Sinasarugi. Et c'est lui qui avait comme ministre le chef de Tontaro, le chef de Ginaguru, le chef de Beguru. Et pour cet ensemble-là, il avait comme insigne de son royaume, parmi les insignes du royaume pré-wasangari, là, de Sinasarugi, il y avait un tambour sacré. Ce tambour, on l'appelle Barakaro, qu'on se nomme encore Baraputuputu ou Barapumpum. Et avec l'air, quand les songaï sont arrivés, ils ont nommé Barasonga. Ce tambour existe encore, c'est depuis 1897 qu'on ne l'utilise plus. Ce tambour existe encore et à chaque gani, ça se trouve aujourd'hui dans la commune de Banikwara. Depuis 1897. 17, à l'arrivée donc de la pénétration coloniale. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce roi-là était à la place. C'est en son temps qu'il y a eu la pénétration Wasangari. Donc, Niki, la cité, même en tant que Niki, n'existait pas encore. D'accord. Aujourd'hui, Dema, est son site se trouve dans la partie sud-est de Niki. Voilà ce qui existait. Et c'est cette source-là qui a accueilli un groupe d'étrangers pour l'installer. Et vous avez Wenususu, quand vous entendez Niki Wenu là, son nom c'est Wenususu, le Wenu. Et c'est là qu'ils ont été accueillis avec maintenant les Wasangari, l'arrivée avec Mansa. C'est là, en Pays Baton, qu'il a reçu le nom de Wuru Mansa. Son nom Sero, c'est-à-dire qu'il faut être l'origine de la classe politique Wasangari. Et c'est son fils, Sabi Simé, qu'on appelle Simé Bankpeu, qui est devenu un grand homme. C'est lui, avant que son père ne meure, c'est lui qui venait faire la chasse là où se trouve le site de Niki. Et la case ronde que vous voyez là, c'était sa cabane de chasse. Et vous voyez, ce qui était une zone de chasse est devenu une grande cité pour être aujourd'hui capitale d'un royaume politique et d'un grand empire. Vous insistez? Oui, j'insiste. Et la belle preuve est que dans mes recherches, quand ma publication en 92, je parlais du royaume. Exactement. Rapidement. Il y a peut-être la période post-Wasangari. Oui, la période pré-Wasangari, oui. Et la période Wasangari, c'est la période entre 1350 et 1480. Voilà. C'est un cours d'histoire, voilà, 1350-1450. Avec des chiffres, voilà, des dates précises et référencées. Voilà pourquoi on dit ce royaume-là, son origine remonte au 14e et 15e siècle, et pour se renforcer. Et il y a bien d'autres dates pour montrer quand on va en arriver. D'accord. Alors, comment on en est arrivé aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Il y a le débat de Niki en tant que royaume et en tant qu'empire est en train d'être clos pratiquement. Et on s'accorde tous que Niki est un empire. Voilà. Je confirme que Niki est un empire. Ma première publication. C'était le royaume que j'avais écrit en 1992, ma première publication. Oui. Je l'ai là. Oui. J'ai marqué « Royaume Bariba de Niki ». Mais au fur et à mesure que les recherches continuaient, j'ai eu accès à bien d'autres choses. Parce que l'histoire, ce sont des faits, les documents auxquels on a eu accès. Il y a trois phénomènes déjà au 14e, 15e siècle. Il y a l'échec de l'empire de Songhai, de Gao, contre Niki à trois reprises.
en 1492, avec Sonny Alébert. C'est suite à l'attaque de l'Empire Gao contre Niki que l'empereur Songhai est mort en 1492. Celui qui l'a succédé, c'est Laskia Mohamed en 1504, 1505, 1506. Il a voulu attaquer Niki, il a échoué. Troisième attaque, en 1555-1556, Laskia Daoud, il a échoué. Donc, un grand empire aussi puissant que Songhai, qui suit des échecs successifs face à Niki, ce n'est pas un simple royaume. Ça, c'est le premier élément, avant la pénétration coloniale. Et là, je vais vous donner rapidement. Oui, très rapidement. Le lieutenant Bo, qui a signé le traité de Niki avec le Sinaboko, sur le Toronoko. Et voilà ce qu'il a eu à dire, la lettre qu'il a envoyée le 29 novembre 1994. Puisque le traité a été signé le 28. Le lendemain, il dit, mon cher Olivier, nous venons de notre blanche main de signer le traité de Niki qui met sous le protectorat de la France le vaste empire de Borgo-Bariba, limité au sud de Togo, Dahomey, territoire de Lagos, Ilori, Eastern, Est, Niger, jusqu'à Gomba, exclu, Nord, parallèle de Gomba, Saberman et Gourma, Ouest, Soudan, cours supérieur de la Volta. Et vous avez dit, il a bien précisé, vous avez dit, vaste empire. L'autre élément, je vous en prie. D'accord, vous m'avez invité, il faudrait que ça soit très clair. Absolument. Que ça soit très clair. Il y a le premier argument. Oui. Le premier blanc qui a mis pied à Niki, c'est Lord Luga, du côté du Nigeria. Voici ce qu'il a eu à dire concernant le Borgo pour monter son caractère d'empire. Il dit, le Borgo est approximativement parlant, compris entre le 12e et le 9e degré de latitude nord et entre le 1er et le 4e méridien de longitude est. Il comprend environ 102 000 km², soit plus de la moitié de la superficie de l'Angleterre et du pays de Galles. Et ainsi de suite. Merci à vous, donc, professeur. Donc, le débat est clos. Léon, et c'est sur cette base-là qu'en 2014, j'ai publié ce livre, à savoir Niki, capitale de l'Empire du Borgo-Bariba, pour reprendre l'expression de Voilà, Lugard, c'était donc Niki Herman. Je rappelle aux téléspectateurs qu'on aura très prochainement le professeur Léon Banibio-Bigou en entretien pour revenir sur tout ceci. Exactement. Un entretien qui sera diffusé dans la période où se déroulera la GANI très prochainement. Donc, le rendez-vous doit être pris. Merci donc, professeur. Merci parce que vous avez été très matinal ce matin. On vous remercie d'être venu sur le plateau de la parenthèse. Merci également à vous. Bruno, cher ami Mokhtar, on peut déjà avoir une idée de là où vous en êtes avec notre portrait, le portrait de la parenthésiste en question. Alors, Bruno, tu vas voir avec moi pour qu'on voit déjà à quoi... cela ressemble. Je crois que ça avance déjà, Probablement déjà. Et donc, voilà. On sent qu'on aura quelque chose de bien là. Quelque chose de super bien, voilà, donc avec notre cher ami Mokhtar qui est en train. Voilà, là, je sens que c'est. Non, on ne va pas donner le nom. À la fin, on va suivre, bien évidemment, on va découvrir de qui il s'agit, le temps de faire un tour relations publiques et de revenir juste après pour le talk. Retour plateau donc pour évoquer le talk.
Le talk aujourd'hui s'intéresse au patriotisme, une valeur civique aujourd'hui qui est en train de déserter peu à peu les habitudes, et un plateau masculin s'est installé. C'est vrai qu'on n'est pas macho, non pas du tout, mais plutôt, voilà, les conditions se sont imposées à nous, on va le dire comme ça. Et il y a un nouvel invité qui est sur ce plateau, c'est bien évidemment Monsieur Toussaint Sabo Fanou, il est consultant en éducation. Bonjour Monsieur Sabo. Bonjour Raymond et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, donc merci justement d'avoir accepté notre invitation, parce que vous étiez aussi très matinal, vous étiez là même avant le démarrage donc de l'émission. La parenthèse, c'est une fierté de vous avoir, surtout que je rappelle Bruno Soali, parce que le personnage qui est à côté de vous a été mon professeur, il a été mon directeur au collège. Et vous m'avez confié tout à l'heure qu'il a été aussi votre enseignant à l'université. À l'université. Donc, c'est un plaisir de l'avoir tout simplement sur ce plateau. Monsieur le directeur, je reste votre élève. Et justement, si je fais mal, vous pouvez encore vous saisir du parmatoire. Non. Et me donner des coups de bâton. Alors là, je vais protester. Je suis un journaliste, je n'ai plus l'élève. Et c'est une fierté certainement de votre part. Ouais, oui, je suis très heureux, oui. C'est mon produit qui passe. J'ai de bons produits. Bien sûr, c'est du Made in Toussaint. Voilà, donc... Alors, on va parler, directeur, du patriotisme, une valeur civique aujourd'hui qui est en train de déserter peu à peu les habitudes. D'abord, le patriotisme, c'est quoi? Comment vous définissez le patriotisme? Ben, d'entrée de jeu, je vous dis merci, parce que je ne suis pas sûr que je serais venu si c'était un autre thème. J'ai sauté sur l'occasion, parce que quand on parle de patriotisme, j'estime que c'est l'incarnation des valeurs nationales. C'est une valeur qui, lorsqu'elle manque, fait beaucoup de dégâts. Et là, c'est le sentiment d'attachement à la patrie. Je suis béninois, ma patrie c'est le Bénin, je considère que je suis entièrement attaché à ma patrie et par conséquent, j'ai des devoirs envers cette patrie. J'ai forcément des soins à accorder à cette patrie et à ses citoyens. Alors, lorsqu'on raisonne comme ça, on n'a plus peur de se sacrifier pour son pays, pour sa patrie, parce qu'on se dit, ma patrie m'a déjà tout donné. Ce n'est plus le moment de lui demander ce qu'elle va me donner encore, mais c'est plutôt à moi de lui donner tout, parce que j'ai déjà tout reçu d'elle. Et lorsqu'on raisonne comme ça, encore une fois, il est très difficile pour un patriote de laisser une invasion de quelque genre que ce soit, je ne parle pas seulement des invasions armées, mais une invasion morale, une invasion physique, s'attaquer à sa patrie, parce que sa patrie, c'est sa chose, la chose la préférée de sa vie. Il est aussi impossible à un patriote de voir des réalisations infrastructurelles réalisées à coup de milliards se détruire sous ses yeux, soit par son fait ou bien par le fait d'autres citoyens. Il estime qu'on est en train de le détruire, lui, parce qu'on est en train de détruire quelque chose qui est le bien public, le bien appartenant à sa patrie. Alors, vous voyez un peu, c'est des éléments terre à terre, des éléments, des exemples simples que je prends pour que tout le monde comprenne ce que c'est que la patrie, parce que c'est un terme qui a commencé à déserter le forum depuis la fin de la période révolutionnaire. À cette période, on nous a rappelé, ou bien on nous a appris, pour beaucoup d'entre nous, ce que c'est que la patrie. Et toutes les chansons exaltaient ma patrie, le Bénin, la République du Bénin. Alors, depuis un certain nombre d'années, on n'a pas beaucoup l'impression que l'éducation, le système éducatif, met l'accent sur la patrie. Et je suis plutôt très heureux de savoir qu'il y a des organes de presse qui se font le souci de rappeler à notre feu follet de mémoire ce que c'est que la patrie. Donc, voilà en quelques lignes ce que je peux dire de la patrie. Et quand on parle de patrie, on parlera forcément de civisme. Le civisme qui est, cette condition à respecter par un citoyen d'un pays. Condition qui l'oblige à respecter tout ce qui est aussi bien matériel, physique que moral dans son pays. Voilà. Merci beaucoup, donc, directeur, professeur. Léon Banibio-Bikou, on vous sait historien, on vous sait géographe. Vous avez donné un cours d'histoire tout à l'heure, vous avez fait une démonstration scientifique et brillante tout à l'heure qui tire ses racines donc, dans l'histoire, bien évidemment.
Dites-nous, si on doit parler du patriotisme au Bénin, oui, est-ce qu'il y a des époques significatives qu'on doit nécessairement indiquer, déjà que le professeur Toussaint a commencé par l'évoquer? Oui, merci bien. Par rapport à ce que le professeur Toussaint a dit, je vais d'abord encore renforcer ce qu'il vient de dire là, en remontant l'origine même du concept « pater », c'est le père. « Patrie », c'est là où on est vraiment, là où on est né. Voilà pourquoi dit, voilà ce sentiment fort, là où votre, comment on appelle, cordon ombilical est enterré, c'est fondamental. Et c'est ce qui fait que toutes ces valeurs fondamentales, cardinales, qui vous lient à la terre, là où votre cordon ombilical est enterré, vous êtes prêt, déjà, en tant que citoyen vivant, vous avez ce devoir moral, historique, de défendre, de faire tout acte qui peut renforcer justement cette notion de là où on est né. Et c'est ça qui donne naissance au sentiment de nationalité, la nationalité, qui donne une force à la nation qu'on veut construire. Et c'est par rapport à cela qu'on se bat. Le civilité qui l'a dit, côté citoyen. Donc, est-ce qu'il y a une période, telle que vous l'avez dit, où on peut considérer que ouais, c'est ce sentiment de patriotisme justement, qui a amené les peuples qui avaient été soumis d'autres peuples pour avoir développé leur sentiment patriotique, voulu imposer leur conception du monde aux autres. Et la réaction est que si vous êtes patriote, c'est de pouvoir dire non, j'ai un certain nombre de valeurs fondamentales, de valeurs cardinales qui ne sont pas négociables par rapport à un certain nombre de choses. Et c'est en cela que, vous avez vu, quand on parle de l'indépendance, quand on allait vers l'indépendance, la manière dont les peuples du sud, du nord, de l'est à l'ouest sont mobilisés pour d'abord arracher cette autonomie-là pour redevenir soi-même et pouvoir être le maître de son destin. Alors, c'est un plateau mixte. Sur ce plateau, l'ancienne et la nouvelle génération, bien évidemment, à côté de vous, professeur, il y a Nicanor Kovi, un grand homme de culture, bien évidemment, parce qu'il se passionne beaucoup pour la culture. Il y a des enseignants sur ce plateau. Il y a des enseignants, donc il faut savoir étudier les autres. Ne me foutez pas la honte. Alors, Nicanor, aujourd'hui, quelle est votre conception aujourd'hui du patriotisme? Oui, mais c'est compliqué de parler à la suite de Pythagore de cette trempe-là. Mais cela dit, en de pareilles circonstances, je substitue ma réflexion à celle de ceux qui nous ont déjà précédés. Un homme d'histoire, en l'occurrence Gustave Le Bon, qui disait justement à ce sujet que le patriotisme est la plus puissante manifestation de l'âme d'une race. Il représente un instinct de conservation collective qui, en cas de péril naturel, se substitue immédiatement à l'instinct de conservation individuelle. Est-ce qu'on peut aller au-delà de cette définition? Est-ce que cette définition-là ne résume pas l'ensemble des idées développées sur ce plateau jusque-là? C'est l'idée que je me fais du patriotisme avec ce fort attachement à la patrie mère, à ce à quoi on appartient. C'est ça le patriotisme et les corollaires qui en découlent, le civisme, le sens du devoir envers un pays. Il y a un président américain qui disait « Ne demandez pas ce que la patrie peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour la patrie. » N'est-ce pas l'essence même du patriotisme exaltée à travers cette phrase-là? Et il faut le dire, moi je fais le distinguo entre être patriote et être d'extrême droite. Le patriotisme exacerbé ne doit pas nous conduire à cet attachement exacerbé. Ça s'apparente parfois à du racisme. On doit faire le distinguo. On est patriote, mais on n'est pas pour autant d'extrême droite. Voilà un peu l'idée. On n'est pas xénophobe, on n'est pas. Voilà. Mais on est attaché à la patrie. On a envie de faire quelque chose, de donner un peu de soi pour cette terre qui nous a vu naître, pour cette terre qui nous a tout donné, à qui, à notre tour, il est juste et honorable de rendre un tout petit peu de nous. Alors, Bruno Soali, chaque soir ou chaque jour que vous sortez de l'URTBIA, juste en face de vous, un chef-d'œuvre, ou de nous, on va le dire, un chef-d'œuvre sculptural,
qui se dresse juste devant nous, mais qui est fort de sens, qu'on appelle la place des martyrs, ceux-là qui, un 16 janvier, se sont battus pour défendre la patrie de l'agression des mercenaires. Chaque fois, quand vous prenez par cette place, est-ce que bon, c'est un chef-d'œuvre sculptural ou architectural de plus, ou chaque fois, vous remémorez de ces valeurs-là que vous devrez incarner dans la cité? Oui, ce sont des, je dirais, des réalisations qui sont bien placées, hein, en plein cœur de ville pour nous rappeler chaque fois qu'on les voit que nous devons développer cette fibre patriotique. Là, c'est le moment peut-être de saluer la mémoire des grands résistants béninois tels que du Dahomey, je dirais, tels que Béanzin, Bioguera, Kaba, ces gens-là qui, par patriotisme, et c'est le professeur qui me disait... Il y a aussi, on m'a enseigné en histoire, la résistance des Hula et des Huida. Voilà, bon, j'ajoute cela. Donc, ces gens-là qui, par patriotisme, ont voulu conserver les valeurs de leur pays et ont résisté à l'invasion coloniale, ce sont ces exemples-là que nous devons suivre aujourd'hui, nous, jeunes générations, qui peut-être n'avons pas vécu ces moments-là et que c'est l'histoire qui nous les a, je vais dire, relatés. Il faut que chaque jour, on développe patriotisme. Moi, je parlerai d'amour. D'amour pour la patrie qui nous a vu naître, qui nous a donné, qui nous a, je vais dire, fait voir le jour, qui nous aujourd'hui nous chapeaute, qui aujourd'hui nous donne son onction chaque jour que Dieu fait. Lorsque vous devez aller à l'étranger, on vous demande toujours dans vos papiers pour le visa quelle est votre nationalité, à quelle patrie appartenez-vous. C'est très 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 important. Et Herman, vous n'avez pas besoin d'être président de la République, parce que de plus en plus il y a des peuples qui pensent que le sens du patriotisme revient seulement au président de la République qui devait l'incarner. Non, vous artisans, vous vendeurs de je ne sais quoi, de sauce, vous vendeurs de pâtes, vous élèves, vous écoliers, tout le monde, du haut de ce plateau, vous pouvez apporter quelque chose à ce pays. Et c'est ce que vous faites ce matin. Et c'est justement ce que vous faites ce matin, Bruno Soily, professeur. Monsieur Toussaint Sabofanou, on fait comment pour réintégrer le patriotisme dans les habitudes? Ben, vous savez, il faut apprendre à chaque Béninois à effacer son moi lorsqu'on parle de patrie. L'individu ne vaut rien. L'individu est une entité minable. Mais tous les individus ensemble constituent un bloc inattaquable sur tous les plans. Même si on amène une morale retorse qui vient de l'extérieur pour vous coloniser ou bien des bombes pour vous abattre, je crois que l'ennemi aura maille à partir à ce bloc unifié. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout à l'heure, vous avez évoqué un monument. Quand moi, je suis à pied, ça peut paraître bizarre. Chaque fois que je suis à pied, que l'occasion m'est donnée de ne pas être en voiture ou en moto et que je passe devant le monument des martyrs, je jette forcément un coup d'œil vers ces trois. Je crois qu'il y a trois hommes là. Oui, bien sûr. Je jette un œil vers eux pour leur dire merci pour tout. Je suis là, je passe et je vous respecte. Et c'est cela qu'on devait insuffler à tous les apprenants. Parce que vous n'allez pas demander aujourd'hui qu'on aille apprendre à un monsieur de 40 ans, 50 ans, ou même 30 ans, à devenir un super patriote. Non, ça s'apprend depuis la racine. Quand vous allez dans certains pays latino-américains, exemple Cuba, les enfants sont patriotes dès le bas âge. Parce qu'on leur a montré qu'il faut se battre pour préserver cette île. Chez nous aussi aujourd'hui, que ce soit dans le système éducatif, je commence toujours par là, pas parce que je suis enseignant, mais parce que j'estime que c'est par le biais de l'éducation qu'on peut forger des âmes qui pourront résister aux intempéries. Si c'était des trucs formalitaires qu'on fait, ça ne marche pas. Mais depuis l'école et même depuis nos villages, parce qu'on pense souvent qu'être analphabète, c'est être fermé à tout ce qui est éducation. Non, depuis l'école. Quand je vois le professeur Léon Biobigou et que je pense à Niki, à la cour royale, mais que le professeur aille parler de patriotisme aux gens de la cour, ils vont comprendre parce que là-bas, c'est la cour. Et ce qu'on dit là-bas, ça se prend. C'est une éducation qu'on vit tous les jours. Donc, il importe que nos autorités, à quelque niveau qu'elles soient, puissent se dire si demain doit être radieux, si demain doit être mieux pour nous, il faut faire en sorte que tous les enfants d'aujourd'hui commencent à intérioriser le Bénin comme étant la chose la plus sacrée qu'ils ont. Parce que nous avons des dettes. Nous qui sommes là aujourd'hui, nous avons des dettes
envers nos anciens, qu'ils soient vivants ou morts. Mais comment est-ce qu'on peut leur payer ces dettes-là? La meilleure façon de payer ces dettes à nos vivants, à nos anciens, vivants et morts, c'est de payer ces dettes à la génération montante, de payer ces dettes aux jeunes, pour que l'avenir à travers ces jeunes soit plus radieux qu'il n'a été avec nos anciens. Donc, il y a un devoir collectif. Et c'est en cela que je vais terminer en disant, franchement, ORTB, merci. Parce que là, ceux qui suivent cette émission, ils sont nombreux. Du sud jusqu'au nord, on suit. Il y a donc déjà un cours de patriotisme que vous dispensez sans prendre un copec. Et là, moi, je vous tire le chapeau parce que si ça peut arriver même une fois par semaine ou une fois par mois, je crois qu'une bonne frange de notre population retiendra qu'il y a quelque chose qu'on appelle patriotisme et qui est sacré. Merci beaucoup à vous, professeur. Merci également à vous, professeur. Vous restez avec nous. On va mettre un terme, malheureusement. Oui, c'est vrai que le débat, il est passionnant. C'est vrai qu'on va continuer par évoquer le sens du patriotisme. Jusqu'à demain matin, on ne finira pas d'aborder tous les aspects. Mais on va mettre un terme pour le débat de ce matin, malheureusement. On va peut-être y revenir, monsieur. Je vous promets qu'on va y revenir. Mais juste le temps, tout à l'heure, ou tout de suite même, d'installer la rubrique que mes chroniqueurs apprécient bien. C'est bien sûr le talk. Qu'il est tellement passionnant aujourd'hui que j'ai relancé le talk, mais c'est plutôt le quiz. Le quiz, directeur, ça a été votre élève. Vous m'avez interrogé et c'est vrai que je m'en sortais tant bien que mal. Le professeur aussi m'a interrogé. C'est vrai qu'on s'en sortait tant bien que mal quand même. Et ce matin... C'est à toi de leur demander ce matin débarrasser de tout document compromettant. Je ne vais pas oser. Je l'ai déjà fait. Je ne vais pas oser. Mais, professeur, c'est juste pour finir dans la bonne ambiance. Oui. C'est 5 questions pour trouver une équipe championne. 5 questions, 5 petites questions. 5 questions d'identification. La première équipe a trouvé la bonne réponse, la donne et on lui marque un petit point. Donc, ces 5 questions constituent déjà 2 équipes, messieurs. Donc, équipe A, équipe B, élèves et professeurs qui vont s'aider ce matin à trouver les bonnes réponses. Alors, qui suis-je ou que suis-je? Je suis l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Nationale. Mauvaise réponse. Ah. Vous n'avez plus la main. Je suis constitué de 3 magistrats, de 2 juristes de haut niveau et 2 personnalités de grande réputation professionnelle. Je suis la plus haute juridiction du pays en matière de respect de la loi fondamentale. Je suis le juge du contentieux électoral. Mon actuel président, ah non, Joseph Diogbenou, la Cour constitutionnelle. Alors, deuxième question. Qui suis-je? Je suis cinéaste, réalisateur et comédien béninois. Je vis en France depuis plus d'une trentaine d'années. Je suis, oui. Sylvestre Amoussou. Sylvestre Amoussou, mais il a trouvé. Il est en feu. Il a trouvé. Je suis auteur de plusieurs réalisations, dont entre autres Africa Paradis et Un Pas en Avant. En 2017, mon film L'Orage Africain, un continent sous influence, a décroché l'étalon d'argent au FESPACO. Je suis Sylvestre Amoussou. Troisième question. Monsieur, réveillez-vous s'il vous plaît. Artiste, je suis artiste internationalement reconnu. Je suis une figure majeure de la world music. Je suis l'un des plus grands ambassadeurs de la musique africaine dans le monde. De nationalité sénégalaise, je ferai ma première apparition. Sonzo. Un point pour l'équipe A. Un point pour l'équipe A. Le match, il est serré. On aura marqué un point au moins. Le match est très serré. Bon, je finis, on va dire, l'indice pour les téléspectateurs. De nationalité sénégalaise, je fais ma première apparition sur scène à l'âge de 12 ans. Vers 15 ans, je chantais déjà avec le groupe sénégalais le plus populaire de l'époque. Le star Bond a une influence importante dans la création du Mbala. Je suis d'ailleurs surnommé le roi du Mbala, ancien ministre de la Culture du Sénégal. J'ai été récompensé au Grammy Award en 2005 dans la catégorie de meilleur album de musique dans le monde. Je suis bien sûr Youssou N'Dour. Alors, on recherche une expression. Cette fois-ci, c'est une expression. On est en géopolitique. Je suis un mouvement inédit issu des sociétés qui contestent les modalités de gouvernement autoritaire auxquelles elles sont soumises depuis des décennies. Parti de la Tunisie en 2011. Le printemps arabe. Le printemps arabe. Ils ont réussi à remonter à 2 partout. Messieurs. Le tie-break. Ça, c'est le tie-break. Le jeu décisif. C'est intéressant, hein? Ah oui. Le jeu décisif. Équipe A, 2 points. Équipe B, 2 points. Messieurs, soyez concentrés. Restez concentrés. C'est une question sport. Question sport. J'ai laissé le souvenir d'un homme qui se battait pour des convictions. Bien plus qu'un simple champion sportif, j'étais aussi connu pour mon engagement dans la cité,
Ma rencontre avec Malcolm X, chef des Black Muslims, me convertit à l'islam. À 22 ans. Mohamed Ali. Mohamed Ali. À 22 ans, je deviens champion du monde de boxe. De mon vrai nom, Cassius Clay. Je reste l'un des athlètes les plus réputés. De mon vrai nom, Cassius Clay, je reste l'un des athlètes les plus réputés de tous les temps. Je suis même consacré sportif du 20e siècle par une assemblée de journalistes sportifs. Je suis Mohamed Ali, bien évidemment. Dit Canard, tu as réussi à faire une remontée extraordinaire. Ah ouais, on forme une belle équipe. Une belle équipe. Professeur, vous non plus, vous n'avez pas démérité parce que justement, vous meniez 2-0. Qu'en face, il y a une belle équipe. Il y a Nicanor qui est un champion. Il y a le grand professeur qui est aussi un champion. Voilà, qui est aussi un champion. Donc, le match était très serré quand très même. Donc, alors, à présent, merci donc, messieurs, d'avoir accepté de jouer avec nous parce que ce n'est pas gagné d'avance. Alors, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Cher ami Mokhtar, il a sans doute déjà fini son portrait. Oui, venez là déjà, on va voir à quoi ressemble votre portrait, parce que vous l'avez démarré ici, vous l'avez achevé, venez, voilà. Juste à côté de moi. Alors, le portrait, il est déjà là. Venez à côté de moi, venez par ici. Donc, monsieur, voilà donc le portrait du jour. À moins d'une heure de temps. Donc, voilà. Le portrait, il ressemble vraiment à quelqu'un. On va appeler la personne à qui le portrait ressemble tout à l'heure. Donc on va et là encore, ça. Les détails ne sont d'abord. Même pas encore achevés. Les détails, voilà donc le portrait. Déjà alors, non, vous devinez déjà qui c'est. Une parenthèse. On va demander à nos invités d'appeler qui c'est. C'est celle qui a fait la rubrique santé. Santé, oui. Mylène, elle est où? Mylène Fanou. Alors, vous avez votre portrait par ici. Il faut qu'on... Mylène, venez. Oui, venez. Donc, notre portraitiste. Ouais. Voilà donc le personnage. Voilà le personnage et le portrait. Donc, voilà. Le sourire en prime. Donc, cher ami Mokhtar, voilà donc en le portrait. En tout cas, il a du doigté dans les doigts. Vous reconnaissez. Encore qu'il faut dire que ce n'est pas encore achevé. Ce n'est pas encore achevé. Avec les détails, franchement, on se dit que. Vous avez du talent. La courbe des cheveux qui est bien dessinée. Ça mérite bien quelque chose. Ah non, on ne règle pas ça au micro ni en caméra. Alors, merci. On veut le bisou, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou. Ah ouais, bravo. Alors, merci beaucoup à vous, cher ami Mokhtar. Merci parce que votre portrait, il est super. J'espère que j'en aurai pour moi aussi. Que je vais accrocher dans mon salon, c'est bien possible. Ça sent la jalousie. Merci beaucoup à vous, Mokhtar. Merci également à Mylène. Merci, professeur Toussaint Sagofanou. Merci également à vous, professeur Léon Bani Biobigou, vous êtes d'être passé sur ce plateau. À vous, chers chroniqueurs, je ne vous dis pas merci, mais je vous dis du courage parce qu'on va déjà se retrouver demain. Demain matin, quand il sonnera très exactement 7 heures. D'ici à là, portez-vous très bien parce que justement, sans vous, nous n'existons pas.